Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui j'ai cliqué, c'est un plaisir de vous parler, je prends une vidéo, cette vidéo apporte simplement des top 5 des plus beaux paysages, donc là comme vous voyez c'est un dessin, top 5 des plus beaux paysages, donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui je suis excitée, hein, je sais pas pourquoi, voilà donc, désolé. Donc voilà les amis, donc allez go, je pense qu'on peut aller attaquer à la cinquième place. C'est parti. Ok, religion, c'est bon. Donc on se retrouve pour ce petit paysage très beau. C'est pris dans un petit rocher. Voilà, c'est pris dans un petit rocher avec bien la vue sur la mer. Par contre, la qualité de la photo est dégueulasse. Donc voilà, j'ai pas pu faire mieux. Donc voilà les amis, c'est tout pour la cinquième place, passons tout de suite à la quatrième place. Donc voilà, donc là déjà, la qualité de la photo du cocotier, du palmier est largement mieux fait. Bon par contre, il y a juste un petit truc dégueulasse, c'est le bateau à l'arrière. Le bateau qui rend super dégueulasse à l'image. Voilà, donc c'est tout pour la quatrième place, parce que vraiment j'aime bien, ça fait une petite plage avec une île déserte tout là-bas. Donc voilà. Vous pouvez la regarder. Je vais vous faire une petite astuce pour faire un petit appareil photo avec vos mains. Bon, dans une vidéo tuto. Hein. Bon voilà, c'est tout pour la quatrième place. Passons tout de suite à la troisième place. Donc voilà ce super paysage, vous voyez, c'est de la pollution et tout. Ouais, non, en fait, je déconne. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite blague vous aura plu. Parce que j'avais mis une image de pollution, hashtag lol. Donc voilà les amis, pour la troisième place, j'ai tout simplement choisi la petite cascade des familles. J'aime bien cette photo et tout et tout. J'aime bien surtout la cascade avec les rochers. En même temps, une cascade sans rocher, c'est pas une cascade. Alors, d'où vient l'eau? C'est vrai ça. D'où vient l'eau? Je me pose une très bonne question. Bon, ben voilà, les amis, c'est tout pour la troisième place. Passons tout de suite à la deuxième place. Je sais que vous n'avez rien compris. Voilà, les amis. Donc, pour la deuxième place, j'ai tout simplement choisi cette photo-là. Bon, après, c'est sûr, la qualité de la photo, elle est dégueulasse, comme d'hab. Donc voilà, parce que j'ai mis, on dirait un peu comme Tahiti avec les palmiers et tout, les petites maisons au bord de l'eau. Ça a l'air vraiment une île paradisiaque. Ah ben voilà, la qualité est mieux là, comme ça, tout d'un coup. C'est vraiment une île paradisiaque. Avec l'eau elle est bien toute bleue. Or que normalement, l'eau c'est transparent, mais on s'en fout, je t'emmerde. C'est vraiment une île paradisiaque et tout. Bon mais les amis, c'est tout pour la deuxième place, passons tout de suite à la première place. Ok bon les amis, ça y est, c'est bon donc. Je suis émue par cette photo. Parce qu'elle est trop belle. J'ai trop envie d'aller à cet endroit, ça a l'air trop beau en plus, il n'y a même pas de pollution. Je parle. Ouais, j'adore ma vie. Alors, donc voilà, pour la première place, j'ai simplement choisi ça. Ce paysage, parce que vraiment il est très beau. Et tout, voilà, j'aime bien ça, voilà, les amis, ciao, ciao, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter.